papa va te connaître. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Un jour, papa va te connaître. Faut pas pleurer. Oh, c'est dur, mais ça va aller. Ça va aller. Eh mon bébé. Ça va aller. Eh bébé. Faut pas trop pleurer. Hein. Nya. C'est comme si Dieu m'avait entendu. Go, tu es sorti. Je suis sorti. Je parlais de toi tout à l'heure. Oh bébé. Je suis sorti. Go. Va arriver. Merci. Attends, viens, elle est là-bas. C'est comme si tu m'avais entendu. Voilà. Je parlais de toi au bébé. Voici le bébé, go. Merci. C'est ce qui s'est passé derrière toi. Aïe, dis donc. Tu ne me voyais pas là, c'était à cause de lui. Parce que j'étais à terme. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Ça n'a pas été facile. Oui, je vois. Dieu merci que tu es arrivé, quoi. Maintenant que tu es là, on va ensemble penser à l'avenir de l'enfant. Parce que à moi seul, je ne sais pas, je ne savais pas quoi faire. Tu vois, comme la grossesse était à terme, c'est pour cela que tu ne me voyais pas là-bas. J'ai passé tout ce temps en train de vraiment acheter des médicaments, acheter tout. J'ai souffert beaucoup. Maintenant, c'est vrai, tu as raison. Maintenant que l'enfant est venu, il faut préparer son avenir. Vraiment. Il ne faut plus dormir. Il ne faut plus dormir. D'accord. Vraiment, hein. Donne-moi mon baluchon. Je vais à l'aventure. Quand? Maintenant même, je vais à l'aventure. Maintenant, go. Maintenant. Je vais à l'aventure, donne-moi mon baluchon. Tu me laisses avec le bébé? Non, débrouille-toi, hein? je vais à l'aventure. Mais go, mais tu peux pas aller maintenant, repose-toi quelques jours, un mois, deux mois, trois mois. Ça peut plus attendre, c'est un impératif. Je vais à l'aventure. Et je te précise, hein, je sais pas où je vais, je sais pas quand je vais revenir. Mais seulement, je sais que je vais revenir. Tiens bon, comme tu as toujours su le faire jusqu'à présent. Prends l'enfant et donne mon baluchon. Attends, je te donne ton baluchon. Toi aussi, tu es venu nous trouver dans une situation difficile. Fais en sorte que tout le bonheur que tu avais là-bas, là, qu'on puisse vraiment vivre de ça. Vraiment, on compte beaucoup sur toi. Bon, je vais partir. Je ne dois plus attendre. Mmh. Oui. Vraiment, mon cœur est déchiré. Non. Seul avec cet enfant comme ça. Ça fait rien. Attache ton cœur. Bon, au revoir. Emmanuelito, je suis parti. Mais je reviens. À bientôt.
Il paraît que les gens ont profité de l'eau. Cacao à 100 francs, laisse ça. Les gens ont profité pour casser la prison et ils croyaient que c'était fini. Les militaires. Les prisonniers eux-mêmes ont cassé. Ah oui, ils sont malins, hein. Ils ont formé leur comité. Comment on appelle ça là? Persécrise. Persécrise. Oh, papa. C'est dangereux. Les prisonniers qui ont eu la chance de changer de comportement et être dans la société, dans les normes de la société, il n'y a pas eu de problème. Mais ceux qui ont eu la malchance, à qui si? Ceux qui ont eu la malchance de continuer dans leur bêtise. Tu n'entends pas? Le meilleur patron même a dit que le voleur n'a pas de pitié. Donc, ils n'ont pas pitié aussi. Ah oui. Je vous assure, maintenant dans Abidjan là, tu peux ouvrir ta porte 10 jours, même tes fenêtres. Tes fenêtres même. Ah oui. Tu dors sans problème. Il y a même quelqu'un qui disait comme ça que dans Abidjan maintenant, à Djamé où on dit black ou bien quoi, il y a des bandits à Bobo. Abou la gare. Hop. Tu peux même te balader avec ton portefeuille sur la tête. Sans problème. Je vous dis sur la tête. Non, c'est on peut dormir en paix. Les fenêtres et les portes ouvertes. Les gars, oui. C'est pas Gou qui arrive. Mais quel Gou? Le Gou. N'ont pas encore changé cela. Mais c'est lui. Je vais partir à l'eau. Non, 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 c'est ça la vie. C'est ça la vie. J'avais besoin de ça. Ah ouais. J'avais besoin de ça. Mais les valises sont restées sur la place du village. Les valises. Oui. Retourne vite les chercher. Petit, pardon, viens m'accompagner là. Ah oui. Ah, ah ouais. Et la nouvelle de là-bas? Ben, la nouvelle? Oui. Bon, elles sont bonnes. Très bonnes nouvelles. Dieu merci. Parce que vous avez été témoin d'un changement. Oui. Le pays tout entier a connu un grand changement. Ah oui. Ah oui, donc il faut faire un changement le plus vite possible. Parce que le pays a connu un changement. Dans les campements, dans les villes, dans les partout. Il y a eu des changements. Alors il faut faire vite. Mais changement là même, c'est quoi? Le changement? Oui. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Bon, voilà. Tout ce qui est vieux, on doit déblayer et faire place à la jeunesse. Il faut tout rajeunir. C'est-à-dire les vieux et les jeunes? Au-dessus. Hey! Donc, vous savez, oui, comme dans le pays, la vieillesse est partie. Oui. Pour faire place à la jeunesse, dans toute l'Afrique, il y aura un changement. Ah oui, aux États-Unis. Bill Clinton va partir pour laisser la place à un jeune. En France, Jacques Chirac partira pour laisser la place à un jeune. Le grand Chirac? Eh oui, Gorbatchev est parti. Il y a un jeune qui vient. Ah bon? En Italie, au Rwanda, partout, partout, partout. En Chine, au Japon, partout, il y aura un changement. Alors, il faut partir le plus vite possible. Voilà la cause de ma présence ici. Ah bon? Parce que mon village ne doit pas rester. Il faut vite faire un changement. Ah oui. Voilà la cause de ma présence. Sois la bienvenue. Merci. Ah Baba, voilà les nouvelles que nous donne Gou. Mon fils Gou. Oui. À son départ, il y a sa maman qui est morte derrière ici. Aussitôt encore, il y a son papa aussi qui est mort ici. Et aussitôt, on n'avait pas de quoi manger. Oui. Grâce à Dieu, nous sommes dans la paix. Dans la paix. Et c'est toujours la paix. Nous voulons que ça plonge.
Oui. Pour que nous soyons dans tranquillité. Ah, Gohou. Ah, oui. Voici la nouvelle que nous donne le vieux. Le vieux dit que, à ton absence ici, ton père et ta mère sont partis. Tu vois le village, il y a la famine partout. On n'arrive pas à manger. La pauvreté est dans, les choses s'empirent de plus en plus. Ouais. Alors, on essaie quoi faire. Mais grâce à bon Dieu, il y a la paix. Cette paix-là que nous nous devons de préserver. Continue dans la maison avec cette valise. Hein? Voilà, celle-là, tu la déposes là. Voilà. Ok. Viens. Soulève. Voilà. Bien. Oui. Là, il faut commencer par... Voilà, tu te mets là. Il faut te mettre là. Ah, oui. Bien. Il faut commencer par le commencement. Ah oui. Ah oui. Doucement, doucement, doucement. Ah, hein? Doucement. Go. Ok. Attention. Voilà. Voilà. Ok. Ah oui. Oh, wow. Oh, papa, tu vas. Voilà, doucement, doucement. Recule, recule. Voilà, voilà. Voilà, mets voilà. Doucement, doucement. Tiens, voilà pour toi. Oui. Un pain, une boîte de sardines. Ah oui. Voilà, oui. Tiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Où ils sont partis tous? Du calme, du calme, hein? Du calme. Oui, calmez-vous. De toutes les façons, chacun va recevoir un morceau de pain et une boîte de sardines. Ah oui. Eh oui. Oui. Parce que celui qui a faim n'est pas un homme libre. Il faut manger. 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 Partout dans le monde, il y a un changement. Oui. Ouais. Le pays a connu un changement total. Oui. En Amérique, Bill Clinton partira. Oui. Et fera place à la jeunesse. Ah ouais. En France, la jeunesse. Oui. Aux États-Unis, oui. La jeunesse. Oui. En Suisse, oui. La jeunesse. Et au village, la jeunesse. La jeunesse. Ah ouais. Au village, la jeunesse. On applaudit pour Gohou. J'aurai le temps de vous entretenir. Mais il y a un adage qui dit qu'à votre affamé, point de plaisir. Oui. Quand on a faim, on ne peut pas écouter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Manger. Ah. Donc, vous allez commencer par manger. Oui. Et après, on verra la suite. On verra. Madame, oui. Voilà. Allez. Allez. Bon, madame, voilà, voilà. Voilà. Ah. Bien, voilà. Eh bien, on verra. Mangez. Doucement. Mangez. Mangez. Doucement. Mangez. Doucement. Mangez. Doucement. Doucement. Oui. Mais où tu viens avec ma fille? Non, on est allé chercher ça. C'est Gohou. Gohou. Uh-huh. Le fils de vieux Gabriel qui est décédé là, uh-huh. Il est arrivé, il a des cantines comme ça, uh-huh. Remplies de pain et de sardines. Tout le village a mangé. Hein? Voleur là. Voleur. C'est un voleur. Ici, il prenait nos poulets et nos moutons, nos cabris. Même les jeunes filles font du mal à tous. Tu n'étais pas au courant de ça? Mais on dit qu'il est en prison, l'autre côté là-bas, en ville là-bas. Ah bon? En tout cas, moi, je ne sais pas tout ça là. Mais ce qui est sûr, il est venu avec du pain, sardine. Tout le monde a été servi. À cause de lui, tout le village a mangé aujourd'hui. Hé, hey, go. Bon, je vais te faire un petit déjeuner avec ça. Oh, bien. C'est pas possible. Mais la situation est grave. Uh-huh. Le fils du vieux Gabriel, oui. Il est là. Il est arrivé. Il a empoisonné tout le village. Il a gâté tout le monde. Il est venu avec du pain et puis la sardine. Uh-huh. Pour distribuer à tout le village. Et tout le monde était présent. Qui était là-bas?
tout le monde sauf moi. Parce que c'est nourriture comme ça là, moi je n'aime pas, toi-même tu me connais chef. Hein? C'est maudit par Dieu. Toi tu dis tu n'as pas été. Je m'assure que tout le monde était là-bas. Oh toi chef, quand tu passes là tu vois tout dans sa cour. Je les ai tous vus et puis je peux les compter un à un. Regardez comment tu parles. Non, je ne mens pas. Chef, je te jure. Hein. Oh, j'ai compris tout. J'ai compris. Regarde-moi ça. Ça vient où? Ça vient où? Maman, prends ton père, allez-y. Chef, chef. Je prends, mais sinon, chef, c'est pas... je ne sais pas où j'ai quitté le père là. Sinon, regardez ce visage. Oh là là, menteur que tu es. Non, chef, vraiment, sinon c'est pas bon. Au nom de Dieu, c'est pas bon. Oh, ça là, c'est quoi encore? Ça là, c'est quoi? Tu dis que tu n'as pas été le pain ou la boîte sardine. Toi-même, tu as dit qu'il a donné boîte sardine et le pain à tout le monde. Je ne sais pas où c'est quitté. C'est venu au Shell. C'est encore? Non, j'ai dit, c'est venu au Shell. Ouais, c'est encore. Oh, pff. S'il faut attendre qu'on casse la prison civile afin que Go vienne se présenter au village, c'est pas la peine. Et c'est grâce au coup d'État qu'il est sorti. Ah, mais c'est vrai, tu ne reconnais pas ça ici. C'est faux. Mais Go, il était au village avec nous. Tu sais pas qui est Go, c'est faux. Mais moi, je suis là. C'est vous qui le dites, moi, je n'ai jamais vu. Taisez-vous. Taisez mon bagnole de rester à parler de Go. Est-ce que c'est Go ou en moins pour dormir? Eh, c'est en moins. Tu es dans le même groupe que lui. C'est la jalousie qui vous a dit tout ça. De toute façon, aujourd'hui, ils m'ont promis. Ils m'ont dit qu'ils vont venir. Attendez. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Les voilà! Ça va! Et le bon changement! Oh oui, ça va bien! Ah ouais, Akissi! Allô, Akissi! Allô, on sert à boire! Mais pour l'instant, on va tous boire! Voilà! Avec Gohou, c'est le changement. Le vent du changement. Lorsque tu n'es pas dans ce mouvement du changement, tu es dans le trou. Ah oui. Changement là même, c'est quoi? Toi aussi, changement là veut dire, il faut enlever les plus vieux et placer les plus jeunes. Un gars comme Gohou, comme ça, il est bien pour le changement. Ah oui, non, c'est chez moi. Ah oui? Ouais. Oui, je vois. Mais est-ce que les jeunes sont là? Oui. Ah, la majorité, c'est déjà l'essentiel. Bon, oui, finissez rapidement parce que j'ai besoin de vous ici. Oui, le chef m'a convoqué, il faut que je m'y rende. Mais j'ai besoin de vous, rapidement. Finissez rapidement pour vous revenir, en vitesse. Hein? Bon, voilà, écoute. Je vais te dire, hein, à partir de maintenant, je ne veux plus les oui creux là. Maintenant, c'est accompagné par chef. On dit oui, chef. Il n'y a pas de problème. Oui, chef. Hey! Hey! Ah bon? Gou me charge de vous dire qu'il voudrait vous rencontrer chez lui à la maison. Et en plus de cela, il me dit qu'il a une surprise pour chacun de vous. Ah, bon? Ah oui, une surprise. Pour l'instant, je ne vous dirai rien. Akissi, comme nous sommes dans le mouvement du changement, c'est à boire à tout le monde. Je vous ai pas dit. Tu avais raison. Vous suivez la bouche déjà. Non, non. Moi, je connais bien Gohou. Gohou, c'est quelqu'un. Chef, bonjour. Bonjour, chef. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai appelé ce matin? C'est ça, on est venu comprendre, chef. Ce qui s'est passé dans cette ville-là, vous connaissez? Le village-là, vous connaissez? Non. Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas, voilà pourquoi on est là. Petit Gohou voleur! Il est en train de gâter la ville. Vous-même, vous êtes tous là-bas. On m'a parlé. Voleur qui était ici, il a volé notre mouton. Il a volé nos poulets. Il a volé nos chèvres. Alors, et vous le suivez? Il est venu parce qu'il boit sa dîner avec le pain.
ne savez pas pourquoi il est venu. Vous le suivez comme ça, bêtement. Toi, ton neveu à toi, tu le suis. Et tu connais, la fois dernière, je t'avais convoqué ici pour un vol de poulet quand il était déjà parti là. Un voyou comme ça. Oui, je suis là. Allez, passe ici. Passe là. Et il faut te mettre en jeu.